Parmi les personnes qui m'ont qui m'ont marqué et que j'ai rencontré et qui m'ont appris des choses importantes, il y a un certain nombre de personnes animales. Quand je parle un peu à la façon d'aînés, parce que dans le monde occidental, on ne parlerait pas nécessairement de personne. Quoique on soit en train de changer les choses pas mal, la biologie a évolué énormément depuis une vingtaine d'années. On peut maintenant parler de psychologie animale, on peut maintenant parler de connaissance animale, on peut parler de conscience animale. Donc ça a beaucoup changé. Je me souviens de toutes sortes de rencontres qui ont changé. D'une part, la façon dont je regardais la biologie, et d'autre part, la façon dont je pouvais concevoir la société, la personne, les relations sociales. Quand on était en Algérie, on vivait dans un camp où vivaient aussi un certain nombre de chiens, plus ou moins sauvages. Or, ces chiens, et j'ai joué avec les chiens, aux grandes dames de mon père. Et les chiens avaient un code social très élaboré et je pouvais jouer avec les chiens à condition de pouvoir suivre ce code. C'est-à-dire, on attrape le bâton, quand est-ce qu'on le laisse tomber, quand est-ce qu'on le passe à quelqu'un d'autre, quand est-ce qu'on le ramasse. Tout ça, ça faisait partie de des règles du jeu. Donc le jeu n'était pas du tout une question de chance, ça suivait des règles précises. Plus tard, quand on s'est retrouvé au Canada en contact avec des animaux sauvages, cette reconnaissance du monde animal s'est accentuée. Je me souviens en particulier d'un ours brun. En fait, il était pas domestiqué, mais il était au zoo de Québec. Et c'était mon premier ours, donc. Et cet énorme animal tenait dans sa patte un pissenlit. Et il était en train d'examiner le pissenlit de façon très attentive. C'est pas « je t'aime un peu beaucoup passionnément », mais presque. Lèche, regarde, okay. Et il y avait clairement un esprit au travail. Avec les Inuits, ça n'est pas très très important, parce que la relation à l'animal est presque abstraite. Mais chez les Athapascans, la relation avec l'animal est une relation interpersonnelle, d'élabore. Ma relation avec les ours en particulier, mais aussi avec les castors, animaux sociaux, s'est intensifiée. Et j'ai découvert à ce moment-là, non seulement dans les conversations, mais dans la réaction des gens, la réaction des autochtones face à mon approche du monde animal, ces réactions... m'en ont appris beaucoup. En fait, la relation que nous dirions chamanique, ou la relation qui s'établit entre le rêveur et l'animal dont on rêve, s'établit pas nécessairement dans une vision, mais dans une familiarité. Donc, Samuel Hearn, en 1770, parle déjà des gens du cuivre, je pense, qui amenaient leurs enfants, entre 6 mois et 1 an, 2 ans, à l'entrée d'une tanière de loup ou sur un barrage de castor, de façon à ce que le bébé entre en contact avec les animaux. Des années plus tard,
la personne se souviendra de son contact avec le loup, avec les ours. Et Hearn dit même que dans certains cas, les gens vont de façon répétée, fréquente, aller rendre visite à leur seconde famille animale. Mais c'est une relation qui s'établit entre une famille particulière de loups et puis l'enfant, ou avec une famille particulière de castors, okay? Ou avec les qu'il s'agisse de mouettes, qu'il s'agisse d'aigles, qu'il s'agisse de souris. Dès qu'on est attiré par quelqu'un, qu'on le reconnaît comme existant, il se crée un lien entre les deux. Et moi, évidemment, c'était une des grandes découvertes du monde de la forêt, de la nature nord-américaine, que d'être en contact avec des animaux qui étaient très évidemment des personnes. Plus tard, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis attachée à faire des portraits animaux. Non pas un animal quelconque, mais un portrait où on puisse voir la présence de quelqu'un. Et les mots qu'on a traduits dans les études chamaniques, qu'on a traduits comme pouvoir, ou comme qu'on a traduits comme force spirituelle, etc. Ça n'ont pas ce sens-là dans les langues d'aînés. Ces mots veulent plutôt dire présence, présence à soi, comme mon ours avec son pissenlit, là. Ça, c'est une démonstration de présence, de pouvoir. Il n'y a pas de pratique chamanique, que ce soit de guérison ou de chasse ou de découverte, sans cette présence, la double présence à soi-même et à l'autre. Mais on parlait tout à l'heure de chamanisme. J'ai dit que j'avais rencontré un chien qui était chaman. Il était reconnu comme chaman par les gens du village, et c'était un chien complètement hirsute qui ne ressemblait pas à un chien d'une espèce connue. Mais ce chien-là avait un regard d'une présence extraordinaire. Et son maître, mais l'homme avec lequel il vivait, pouvait lui demander d'aller à la cache. Il l'a fait devant moi, d'aller dans la cache chercher un morceau de viande particulier, puis de le ramener. Et le chien savait exactement quoi faire et revenait avec le morceau de viande. Et le chien n'aboyait pas, on aurait dit qu'il pouvait parler. Et ce chien-là m'en a appris beaucoup. La présence animale dans les villages amérindiens est toujours accueillie avec une grande attention, parce qu'on a un moment de rencontre. En général, les animaux sont dans le bois, les hommes sont dans les humains, sont dans le village. Et la rencontre est toujours mitigée, ok? Parce qu'on ne sait pas si on est chassé, si on est chasseur, ok? Donc il faut établir les limites. Quand on regarde dans la mythologie, au début des temps, les hommes sont chassés. Plus tard, les humains vont prendre le dessus et chasser les animaux après l'intervention de héros mythiques. Mais le rêve, quand on entre dans le rêve, en tant que pratique, le rêveur n'est ni chasseur ni chassé. Donc on part dans le bois avec de la vieille viande séchée ou des baies séchées, de façon à ne pas redéfinir la relation,
Et là, la rencontre peut se faire avec d'une personne à l'autre. Et c'est pas simple. Pour nous occidentaux, on peut imaginer par exemple qu'un corbeau vient vous voir, ok, et essaie de vous dire quelque chose. Ça irait encore. Ou on peut s'imaginer que le corbeau vous dit quelque chose. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le système d'aînés. Si je pense intensément à quelque chose, à mon père, si je pense intensément à ma fille, et que un corbeau vienne faire le tour de ma voiture ou même se poser sur la voiture, le message n'est pas dans le corbeau, le message est dans ce que j'avais en tête quand le corbeau est apparu. Et si j'avais associé auparavant le corbeau avec une valeur quelconque, alors la conjonction se fait et vous donne le sens du message. Vous y êtes là? Donc vous avez cette espèce de dialogue constant, et je me souviens qu'après quelques mois, à peu près un an, en Alaska, le sauvage dans le bois, le non domestiqué a complètement disparu de l'équation, parce que où qu'on aille, où qu'on soit, on était dans un monde de relations. Donc les arbres communiquaient, les castors, les rats musqués, tout le monde était en communication avec tout le monde. Et chacun avait sa place. Et la culture était quelque chose qui appartenait en propre à chaque espèce. Donc les corbeaux ont une culture, les ours ont une culture. Mais c'est une culture ours. Le gros sacrilège, c'est d'habiller un ours, par exemple. Ou d'avoir comme les Smokey the Bear avec son chapeau, et c'était un sacrilège. Ça diminuait l'ours. Sur la côte du Pacifique, la rencontre avec les grandes baleines, les baleines à bosse, là aussi c'était spécial. Et à Chengdu, durant la conférence, j'avais emmené un biologiste qui nous a parlé de la matrilinéalité chez les animaux. Les baleines sont parmi les animaux matrilinéaires. Donc ça jette un regard différent sur la matrilinéalité et d'où elle provient, le lien avec le territoire et surtout le lien avec l'enseignement des ressources sur le territoire. Mais vous avez avec les baleines, comme avec les ours, comme avec les loups, ces occasions de rencontre où l'animal ne vous chasse plus. Évidemment, il faut que vous soyez complètement terrorisé et vous regarde. Il s'intéresse à vous, là. C'est une personne intéressante. Et puis, il disparaît. Et ces rencontres-là sont toujours miraculeuses. Qu'il s'agisse d'un corbeau, qu'il s'agisse d'un orque qui fait surface, qu'il s'agisse d'une souris qui vient se percher là, puis qui... On se demande toujours qu'est-ce qui se passe. Donc, chez nous, on a toujours eu des tas d'animaux, sauvages ou pas. Il y a une marmotte qui a fait partie de la famille pendant un certain temps, qui a porté sa collection de marmottons tous les printemps à mes parents pour se faire... avec félicitations mutuelles, et puis tout le monde repartageait pas. Si on retourne à Bryn Mawr avec Hallowell et puis ses cultures animales, Hallowell avait été, si on peut dire, à la même école que moi, mais lui, il avait travaillé avec les Ojibwe. C'est lui qui avait
inventé l'expression non-human, we're non-human beings, qui est très facile en anglais, plus difficile en français. Mais on ne peut pas comprendre le monde autochtone, non seulement, je crois qu'on ne peut pas comprendre le monde tribal en général, à moins de reconnaître que la notion de personne, pour eux, n'est pas juste les humains, mais tout ce qui pense. Or, tout ce qui vit pense, donc on se retrouve dans une communauté beaucoup plus vaste que la seule communauté humaine. J'avais déjà des doutes quand j'étais enfant à propos du fait que les humains avaient des âmes, mais pas les chats ou les mouettes ou les pigeons. Au contact des animaux, encore une fois, depuis les vaches de mon grand-père, ou le poney qui prenait soin de moi, jusqu'au castor de l'Alaska, ce contact-là est concret, il est physique. Et je ne me souviens pas d'avoir été seule après l'expérience en Alaska. Parce que vous êtes votre attention est sollicitée par toutes sortes d'êtres vivants, par toutes sortes de personnes qui... Donc il y a une coupure fondamentale en islam, j'ai vu ça au Maroc et en Algérie, en France, en Grèce, enfin, un peu partout en Europe, entre l'humain et l'animal, qui est nécessaire pour des raisons théologiques, mais qui est absente dans le monde autochtone, on l'a vu. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans des mondes qui ne peuvent pas se comprendre. La supériorité de l'être humain dans la société occidentale est tellement impérative. Alors que pour les Athapascans, pour les Mossos, chez les Mossos, c'est assez extraordinaire parce qu'on a une société chinoise où les chiens étaient les bienvenus. Et tu te promènes dans les villages, les chiens viennent à toi, se mettent sur le dos pour être caressés. On respecte les chiens parce qu'au début des temps, les chiens ont donné leur longue vie aux humains en échange de services, comme d'être nourris, par exemple. Mais les chiens ont fait un grand sacrifice. Ce sont des êtres évolués, un peu comme des Bouddhas. Et donc, les chiens sont respectés. Mais c'est extraordinaire, une société où les chiens ne sont pas sauvages. Que les chiens sont... Les chiens, les singes, les chevaux, Même les cochons à l'arrière de la maison sont traités avec considération. Ça donne une idée différente. Là, j'ai apporté un tambour. C'est un tambour de fête, hein, ça n'est pas un tambour chamanique. On voit le corbeau. Ok. Sur le tambour, c'est un tambour de danse. Mais parce que les chamans, quand on veut travailler sur le rêve, on se sert de crécelles ou de bâtons. Mais le corbeau est un animal extraordinaire, mais c'est aussi, au début du temps, c'était les humains et les animaux faisaient partie du même monde. Et le corbeau pense dans l'histoire, le corbeau organise le monde parce qu'il pense et ça arrive. Ok, au début, on entend l'histoire, première fois, deuxième fois, troisième fois, puis à un moment donné, la conteuse ou le conteur va dire, et nous sommes pareils, on pense et ça arrive. Puis là, on comprend le système, on comprend comment ça fonctionne. En peau d'orignal, je voulais vous montrer l'arrière, parce que l'arrière, c'est du plastique. C'est pas du tendon, c'est pas de la peau. Alors, les puristes et les muséologues vont dire, oh, mais c'est pas un tambour traditionnel. Mais
Le gars qui a fait ce tambour-là était un maître tambour. C'était un fabricant connu dans toute la région. Et ce qui importe dans un tambour d'aîné, ça n'est pas de quoi c'est fait, c'est le son que ça fait. Okay? Si ça. Si. Okay? Il faut que ça soit assez mat et assez précis. Donc, là encore, on a une attention pratique à porter à l'objet, défini par sa fonction ou défini par avec quoi il est fait. Donc, c'est un tambour plus authentique dans ce sens-là qu'un tambour fabriqué d'après les normes. Mais comment est-ce que ça va chanter? Alors, on va regarder tout le contexte culturel, y compris la notion de personne, dans le même registre. Une personne ne se reconnaît pas à la façon dont elle est faite, ne se reconnaît pas avec la substance, avec le matériel dont elle est faite, mais ça va se reconnaître au fait que, entre parenthèses, ça pense. Okay? Donc on peut être construit de façon complètement monstrueuse, mais si ça pense, c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. C'est un monde de relations, c'est un monde de